My name is Tatsuya. My name is Tatsuya Murayama from Tohoku University, and I will chair the first session today. And our first speaker is Morten Jørby. And let me. Your microphone seems to be off. Okay. Do you all hear me? Yeah. Yes. And from when do you lose my voice? No, just a little bit. Okay, then let me introduce Morten Jørby. Yes. Now, he is a doctoral student at the Husserl Archive in the École Normale Supérieure of Paris. And now he prepares a doctoral thesis about the question of being in the world in Tanabe Hajime and Nishitani Keiji's philosophies. And before that, he has got two masters, great. The one in contemporary philosophy and the other in literature. The one was on Sartre and the other on Jan Patochka. And now he is a grant holder of Japan Society of Promotion of Science at Kyoto University. Okay, and now the floor is yours. Thank you. Yes, I'm a Japan Foundation scholar, right, at the Kyoto University. Sorry. So I would like to share my screen. Martin, le micro. Okay, sorry, I had to find out how to share the screen. Okay, donc je vais y aller en français. Je l'ai préparé en français, le texte. Donc, la réduction bergsonienne, durée et intuition, je suis le premier Tanabe. Nous n'en sommes doute pas fini aujourd'hui de mesurer l'impact de la pensée bergsonienne sur le mouvement philosophique connu comme l'école de Kyoto. L'influence de Bergson sur Nishida Kitaro est bien connue par le lectorat français grâce aux travaux notamment de Michel Dalissier et tout récemment, le livre de Simon Ebersold, Contingence et communauté, a élucidé le rôle que joue Bergson dans l'œuvre de Kukishiozo. En ce qui concerne Tanabe Hajime, Monsieur Sugimura a rendu accessible au lectorat francisant l'un des principaux textes où le penseur japonais discute Bergson, à savoir le troisième chapitre du texte de 1934, La logique de l'être social, qui développe une lecture des deux sources de la morale et de la religion, paru 2 ans auparavant. Il s'agit ici de l'un des textes fondamentaux de la soi-disant logique de l'espèce, où, comme on a l'habitude de l'affirmer, Tanabe développe une position philosophique indépendante faisant face à Nishida. Les rares articles portant sur la réception de Bergson dans la pensée de Tanabe se centrent sur l'œuvre de maturité. Et il n'existe à ma connaissance aucun travail, même en japonais, sur le bergsonisme du jeune Tanabe. Could you please lower the screen? Oui, excusez-moi. Okay. Mais les deux sources n'est pas, bien entendu, le premier ouvrage de Bergson à avoir marqué le penseur japonais. J'aimerais, dans ce qui suit, tenter de mettre au clair comment l'idée de la durée pure est mise à profit pour élucider l'expérience pure ou immédiate, et comment Tanabe retravaille ce concept à travers un prisme à la fois phénoménologique et fichtéen. J'esquisserai les traits principaux de l'expérience pure et ce que ce concept doit à la durée,
et en procédant plus ou moins chronologiquement à travers les textes plus importants de 1910 à 1919, excusez-moi, je tenterai de montrer comment la mise en doute de l'intuition, mise en doute centrale pour Lawson Anderson avec Nishida de 1930, à sa source dans une réflexion sur la durée déjà en 1917. J'intercale une remarque pour reconstituer les circonstances ou le contexte de manière plus universelle, plus complète. Je donne parfois plus de citations que je n'ai le temps de citer. Alors j'y vais. L'expérience vide ou l'expérience pure en tant que durée. La question fondamentale du premier Tanabe est celle de la constitution de l'objectivité, ou plus précisément, celle de savoir comment nous pouvons concevoir la conscience qui précède cette objectivité de telle manière qu'elle la rend possible. Il faut tout de suite souligner que parler d'une conscience qui précède l'objectivité ne signifie pas parler d'une conscience subjective. La dualité dominante de la première période de l'œuvre de Tanabe n'est pas celle de l'intériorité et de l'intériorité, de sujet et d'objet, mais une dualité qui distingue deux niveaux de la conscience. Il faut distinguer d'un côté l'expérience pure ou immédiate, que Tanabe appelle aussi l'intuition ou le vécu, et d'un autre côté la pensée ou le jugement. La pensée, dont Tanabe puise l'interprétation chez Theodor Lips, n'est pas autre chose que l'acte par lequel l'attention se tourne vers le contenu intuitif de la conscience et le pose comme un objet qui fait face à la conscience. La pensée, c'est l'acte par lequel un objet surgit comme une altérité primordiale. C'est ce que, dans son premier texte de 1910, Tanabe appelle le jugement éthique. La pensée est la scission originaire entre le même et l'autre. Comme l'écrit Tanabe dans un texte de 1918, on peut dire que le jugement Urteil, qui est l'acte fondamental de la pensée, est la division primordiale, Urteilung. La pensée, qui peut être explicitée comme l'intentionnalité de la conscience, en patente une distinction qui se trouve en puissance dans l'unité originaire de l'intuition prélogique que Tanabe, à l'instar de Nishida, appelle expérience pure, Jinsei Keiken, ou expérience immédiate, Kyokusetsu Keiken. Pour les droits de l'affaire qui nous occupe ici, la pensée est le partage d'une distinction en puissance ou latente qui se pense sur le mode de la durée, une multiplicité hétérogène à une séparation de plein droit, une juxtaposition qui n'a lieu que dans l'espace homogène. Je vous renvoie au texte de 1926, l'acte de réflexion, où Tanabe affirme on ne peut plus clairement cette synonymie de constitution d'objectivité et brisure de l'unité de la durée propre au vécu. Donc, je saute la citation, mais je la laisse là. Or, si tel est le vécu de la pensée, comment prendre celui fondamental, c'est-à-dire la couche de l'intuition ou du vécu, de telle manière qu'ils puissent voir qu'ils doivent donner lieu à la scission primordiale et partant à l'objectivité. Il faut pour cela penser un mode d'être qui embrasse l'unité, la différence, et qui puisse pour cela avoir l'altérité et donc l'objet en puissance. C'est expliquer l'unité dynamique de l'unité et de la différence dans ce niveau fondamental de la conscience que Tanabe va faire appel à la pensée bergsonienne. Notant que si Tanabe s'inscrit ainsi, sans doute dans le moment 1900 de l'immédiateté qui a déjà été évoqué dans notre colloque, l'affirmation d'une intuition prélogique n'en reste pas moins polémique. C'est notamment contre la philosophie néo-kantienne que Tanabe se situe avec ce concept d'une expérience pure, c'est-à-dire avant tout pure de pensée. Dans le texte de 1914, intitulé « La limite du logicisme en théorie de la connaissance », la thèse centrale de notre auteur consiste à souligner, à travers une critique des principaux penseurs néo-kantiens, que la seule pensée ne permet pas de rendre compte de la connaissance, mais qu'elle présuppose comme fondement une expérience immédiate prélogique. Une première conséquence de la conception de la pensée que nous avons vue plus haut, c'est que cette expérience pure ou immédiate est dépourvue d'objet. Aussi, Tanabe écrit-il dans l'article de 1914 que nous venons de indiqué, dans l'expérience immédiate, le contenu et l'acte ne sont pas distingués. Le fait de dire que nous éprouvons ceci ou cela présuppose la distinction entre le contenu et l'acte. Mais en réalité, l'un d'exprimer par là l'expérience immédiate en son incité, nous ne pouvons dire ceci que lorsque la réflexion de la pensée a été ajoutée à l'expérience immédiate. L'expérience immédiate
et d'un fait immédiat où la distinction conceptuelle que nous pouvons exprimer linguistiquement n'est pas encore apparue. Comme l'unité de l'acte et du contenu ne laisse pas de place pour l'altérité de l'objet, l'expérience au sens propre du terme, l'expérience dans sa pureté, l'expérience qui est en deçà du concept et donc en deçà du langage, est dépourvue d'objet. Nous n'y éprouvons pas ceci ou cela, autrement dit, nous n'avons l'expérience de rien déterminé. C'est sans doute pourquoi, dans son premier article de 1910, Tanabe avait expliqué l'essence de l'expérience pure avec l'exemple d'une contemplation absorbée en rêvasserie du ciel. Le texte s'ouvre par ces lignes. Il arrive que nous oublions la distinction entre les choses et nous-mêmes, et que nous nous laissons emporter par le flux de la conscience. C'est le cas, par exemple, lorsque nous contemplons innocemment, Puccini, le ciel bleu allongé dans l'herbe un jour de printemps. Dans cette situation, il n'y a pas de conscience du ciel bleu séparé de moi, ni de moi qui le perçoit. La distinction entre les choses et nous-mêmes disparaît, et seul demeure dans la conscience le ciel dégagé. Nous ne pouvons pas appeler ce ciel un objet, car seul ce qui nous fait face, Gegenüberstehen, peut être appelé un objet, Gegenstand. L'expérience pure est donc vide d'objet. Le ciel s'écrit en japonais avec le même caractère que le vide, et le passage se fait ici de manière privilégiée entre le vide comme objet, le ciel, et l'expérience pure comme vide de tout objet. La détermination, le ceci ou cela, de la citation antérieure, relevant de l'acte de pensée, l'intuition est vide par défaut de particularité, ou autrement dit, vide par excès d'universalité. Ici se rencontre dans la lecture tanabéenne l'unité de la durée et l'intuition eidétique husserlienne. Le premier texte où Tanabe s'appuie explicitement sur Husserl porte sur l'universel, ou peut-être mieux, le général, für ihn, allgemein. Le thème central de cet article de 1916, c'est que le général ne s'obtient pas moyennant un acte d'abstraction à partir du particulier intuitionné. Au contraire, il faut, dans la mesure où l'intuition se place en deçà de la pensée, et donc de la détermination, reconnaître une primauté du général sur le particulier. Ainsi, comme Husserl libère l'intuition eidétique à l'égard du fait, la nature propre de l'intuition consiste, en réalité, et à l'état pur, dans la donation du général. Par exemple, la couleur en général, qui dépasse les distinctions particulières. La couleur en général n'est pas le bleu ni le rouge, mais dépasse leurs distinctions. En tant que telle, elle est vide en ce sens qu'elle n'est ni telle chose ni telle autre. L'universel, en tant qu'omni-englobant, n'est rien des temps. Ce n'est qu'en tant qu'il se différencie progressivement qu'il en vient à s'incarner ou à se présenter en chair et en os. De couleur en général, il passe par la division primordiale que nous avons appelée jugement à être rouge en général, par exemple, et ensuite à devenir ce rouge-ci, cette nuance de rouge. Le caractère supratemporel de l'essence qui peut se livrer à une intuition eidétique plus profonde que l'intuition impure et dérivée du particulier correspond donc bien à la caractérisation que donne Tanabe en 1914 de l'expérience immédiate comprise comme dure et pure. L'expérience immédiate est une unité fondamentale qui contient de manière latente les relations d'une multiplicité qui doit par après être logiquement organisée et conceptuellement constituée. Cette unité n'est pas l'unité d'une multiplicité juxtaposée en des instants. Par contre, elle est le présent supratemporel où le passé et le futur ont fondu l'un dans l'autre. En d'autres mots, l'unité de développement interne qui a lieu dans les phases de ce que Bergson appelle la durée pure. Là encore une fois, il y a une citation que je saute. La durée nomme pour Tanabe à la fois un présent transtemporel, voire éternel, car il précède la succession du temps homogène dans la mesure où la totalité des moments pénètre chaque moment de durée. La différenciation impliquée de la création incessante de nouveau. Chaque phase s'enrichissant de celle précédente, la durée diffère à chaque fois d'elle-même dans l'exacte mesure où elle est le mode sur lequel s'annonce une totalité qui dépasse infiniment le moment présent. Unité et différenciation ne font pas alternative ici. L'unité qui dépasse la partie est impliquée en celle-ci, qui n'en est, en un certain sens, que le manque. En ce sens, la sensation est, comme Tanabe l'affirme souvent en s'appuyant sur Hermann Cohen, non pas Gegebenheit, mais Aufgegebenheit. Ce qui est donné
est l'incoativité d'un objet toujours vide de détermination, la tâche de l'objectivité. La durée nomme ainsi la primauté de la totalité sur les parties, du vide sur le plein ou en termes phénoménologiques, de l'horizon sur l'esquisse. Voici comment la durée, que Tanabe appelle aussi le temps intuitif ou le temps phénoménologique, permet de rendre compte de la dynamicité de l'apparaître, du fait que nous voyons toujours plus que nous ne voyons, qu'il y a un horizon de vide, il y a un horizon de visée à vide dans chaque donation, horizon qui, en tant qu'unité des moments, est plus originaire que le moment, pour ainsi dire, remplissant. Le général s'incarne ou se donne en chair et en os par la détermination. Il passe à l'apparaître par la différenciation, ainsi comme la perception pure devient perception par le choix parmi les images. Le tournant 1917, une première critique de l'intuition et de la réduction. Le caractère phénoménologique de la tâche de la théorie de la connaissance, telle que l'assume Tanabe, saute aux yeux. Il s'agit de dévoiler, en suspendant les structures qui relèvent de la position de l'objectivité, les vécus primordiaux qui y donnent naissance, vécus que notre auteur nomme aussi expérience pure ou immédiate. Mais Tanabe puise d'emblée le mode d'être de l'expérience immédiate dans la philosophie bergsonienne, dans l'idée de durée et d'évolution créatrice. Or, le caractère pré-linguistique et préconceptuel de la durée suscite une difficulté pour la réduction phénoménologique. Elle nous transporte en dehors de la connaissance qui, selon la conception tanabienne, implique la pensée et la dichotomie de sujet et d'objet. C'est à partir de l'article de 1917, Une théorie du temps, le texte plus explicitement bergsonien de la période de jeunesse, que se produit, sur fond de ces considérations, une première mise en doute de l'intuition, mise en doute qui préfigure la rupture avec Nishida, qui devient patente en 1930. Dans une théorie du temps, Tanabe distingue cinq sens du temps, ou autrement dit, cinq niveaux de constitution du temps, à savoir le temps physique, le temps psychique, le temps mathématique, le temps logique et le temps intuitif ou phénoménologique. De ces couches constitutives, le temps intuitif ou phénoménologique est, bien entendu, le plus fondamental. Celle logique correspondant au temps au niveau où la pensée a déjà eu lieu, le temps comme catégorie, soit le temps au sens des néo-kantiens. Or, la question de l'accès au temps intuitif fait problème parce que l'intuition bergsonienne, au moins dans l'interprétation nishidienne, compromet le caractère temporel de la durée. Si dès l'origine, nous laissons le flux du développement de la conscience emporter notre moi en nous situant purement dans la position de l'intuition, alors il n'y a, comme l'a argumenté de manière profonde et détaillée M. le professeur Nishida, qu'un maintenant éternel où l'on ne peut pas parler de durée, ni en aucun sens, partant, d'une direction du temps. Autant dire qu'il y a en fin de compte une contradiction entre intuition et temporalité, et que l'intuition pure ne nous permet pas de prendre en vue la durée en tant que telle. Si personne n'a pu dévoiler la durée comme hétérogénéité ou encore comme création de nouveau, c'est parce qu'il n'est pas resté fidèle jusqu'au bout au principe de l'intuition dans sa pureté. Si Nishida radicalise, comme l'a remarqué Frédéric Worms il y a une semaine, la méthode de l'intuition contre le contenu de la pensée bergsonienne, il faut dire au contraire que nous trouvons ici l'approche inverse chez Tanabe. Déjà en 1917, nous voyons, sous la guise d'une critique de Bergson, une critique voilée de la pente mystique de l'intuition nishidienne. Entérinons le passage que nous voulons donner. Si l'intuition peut seulement être lived ou lived, et si elle ne peut pas être fixée par le concept ou par le langage, comment comprendre les remarques relatives aux données immédiates de la conscience fondées sur l'intuition? L'irréversibilité de la durée, sur laquelle insiste personne au seuil de l'évolution créatrice, n'est pas l'intuition elle-même qui vit le flux de la conscience, mais doit en réalité être quelque chose qu'on a tenté de former comme données immédiates de la conscience depuis une certaine position de savoir scientifique. La durée réelle, la durée pure, la durée concrète, ne peut être thématisée que dans une telle perspective. Ce que j'appelle ici le temps intuitif n'a point le sens du temps vu depuis la position de l'intuition, mais n'est rien d'autre que ce que Husserl appelle le temps phénoménologique. Je saute encore une fois là une citation. Le défi que pose la durée à la pensée, c'est de garder la scientificité, forger une conceptualité de ce qui se trouve en deçà de la connaissance et du concept.
Or, si Tanabe fait appel à Husserl pour signaler la durée en ce sens dans sa temporalité, si la durée, au sens vrai du terme, étant phénoménologique, ce n'est pas dire qu'il suffise de remplacer l'intuition par la réduction transcendantale pour y donner accès. L'intuition eidétique est tout aussi vulnérable à la difficulté que Tanabe vient de signaler que l'est l'intuition personnelle. Il est impossible de connaître par l'intuition les sens intuits. Il est possible de connaître par l'intuition les sens intérieurs au vécu. Seulement depuis la connaissance objectivée peut-on tenter dans la direction opposée de subjectiver et de reconstruire le vécu primordial et par là d'élucider les sens qui se trouvent incluses. En bref, Tanabe suit la correction netorpienne de la réduction qui rejette l'intuition au profit d'une reconstruction subjectivante. Cependant, tout se passe comme si personne avait suivi cette méthode à son insu. Tout se passe comme si les résultats de cette méthode restaient entièrement bergsoniens. Que le vécu se caractérise par la durée pure, cela n'est nullement mis en doute. La durée en tant qu'apparaître en soi. Le vécu, c'est-à-dire que le vécu se caractérise par la durée pure, cela n'est nullement mis en doute, à ce détail près, cependant, qu'il faut donner une interprétation transcendantale à la durée, la relire à l'aune de Fichte. Et nous pouvons, pour notre part, souligner que ce prisme introduit à nouveau un décalage entre la caractérisation de la méthode et les résultats obtenus. Tanabe parle d'une subjectivation à partir de l'objectivité, mais on pourrait dire que la durée se découvre tout au contraire asubjective chez le penseur japonais. Le fait de prendre connaissance du temps phénoménologique, écrit Tanabe, n'est rien d'autre que l'élucidation de la vérité du développement de la conscience. Or, le développement de la conscience est l'activité dépourvue de sujet d'activité, c'est-à-dire l'activité pure de Fichte. Or, la référence à Fichte ne doit pas nous faire croire que Tanabe lâche prise de la pensée bergsonienne, car il s'explique aussitôt. Chaque phase de ce développement est normalement une multiplicité créatrice, toujours pourvue d'une qualité sui generis, mais ces phases sont l'unité où est enveloppé tout acte qui se fait. La durée a, en effet, toujours été synonyme de l'effacement du sujet. Comme nous l'avons vu dans quelques-uns des passages que nous avons visités jusqu'à présent, l'expérience pure et immédiate a lieu là où notre moi est emporté par le flux de la conscience. Elle a lieu dans une attitude caractérisée comme muti, que l'on pourrait littéralement traduire de dépourvu d'esprit. L'expérience pure n'est pas seulement dépourvue d'objet, elle est, comme l'image bergsonienne, neutre à l'égard du partage entre l'objectif et le subjectif. Elle désigne, pour ainsi dire, l'apparaître dans son autonomie, précédant non seulement l'objet, mais aussi le sujet. Ce n'est qu'à cette condition qu'on échappe aux écueils de l'idéalisme subjectif, comme le souligne Tanabe à la fin de l'article sur le jugement éthique. Si l'apparaître a été d'ores et déjà subjectif, immanent, il ne donnerait jamais lieu à rien d'objectif ou transcendant. En réalité, c'est parce qu'on a manqué l'expérience dans sa pureté que l'on a conçu la sensation sur le mode d'un atomisme d'éléments subjectifs. Purifier l'expérience revient à en écarter le caractère subjectif que lui a arrogé indûment et subrepticement la pensée. Le fait de partir d'éléments subjectifs revient, qu'on le veuille ou non, à partir de la dichotomie du sujet et de l'objet, qui n'est instaurée qu'avec la pensée. Or, cette tâche que se propose Tanabe de dépasser le subjectivisme se confond avec celle de la dynamisation de l'expérience pure en tant que durée ou, dans les termes de Tanabe, activité pure dépourvue de sujet d'activité. L'expérience ne se livre dans sa pureté que dans la mesure où le moi est emporté par la durée, ou pour le dire avec un autre terme employé aussi par Tanabe dans l'article inaugural, dans la mesure où le moi fond ou se dissout dans la lumière du printemps. L'ouverture à l'apparaître, vide en vertu de son originalité, signifie la liquidation du moi dans l'exacte mesure où elle signifie la dynamisation de l'apparaître. Nous sommes passés de l'expérience pure à l'activité pure. La référence affiche sert précisément à dissoudre le moi dans cette dynamicité et à écarter toute conception substantialiste d'un moi qui surplombe le temps, à commencer par celle kantienne. Cette critique trace pour ainsi dire une ligne rouge à travers trois textes, une théorie du temps de 1917,
le problème de la connaissance philosophique dans l'idéalisme allemand, de la conscience en général. Dans une théorie du temps, notre auteur argumente que le temps kantien est conçu comme homogénéité et que, loin d'être une intuition pure, elle est, au contraire, un temps déjà conceptuel, une forme de la pensée. C'est pourquoi la conception kantienne de la sensation est atomistique et pourquoi les sensations demandent un acte de synthèse qui les relie de l'extérieur. Il faut, bien entendu, opposer à cet atomisme le holisme de la durée, où la partie ne devient possible que dans le tout, où le tout pénètre dans les parties. La durée n'est pas un réceptacle où les sensations sont reçues. Cette durée ne subsiste pas ailleurs que ces contenus. Elle est la relation interne des contenus intuitifs même. Ce n'est que dans la mesure où les néo-kantiens, Natorp explicitement visé, passent à côté du temps intuitif ou phénoménologique, ainsi compris, en ne prenant en compte que le temps homogène, qu'ils peuvent maintenir une position selon laquelle le temps est dans la conscience, et qu'ils peuvent partant concevoir la conscience comme transtemporelle et statique. Il s'agit ici d'une position kantienne dans la mesure où Kant est resté tributaire d'une conception statique du moi, comme Tanabe s'efforce à le montrer dans les premières sections du long article de 1918, Le problème de la connaissance philosophique dans l'idéalisme allemand. Le concept fichtéen du moi, écrit Tanabe dans ce texte, changea l'unité transcendantale de l'auto-éveil, que Kant prit comme le fondement de la synthèse, de cette conscience statique d'auto-identité pure et un pur acte fait dynamique. Nous avons ici le premier texte où Tanabe commence à utiliser le terme de Jikaku, Selbstbewusstsein, ou auto-éveil, comme on traduit aujourd'hui, et cela précisément pour signaler l'unité de l'activité pure, dépourvue de sujet agissant et son autodonation. L'auto-éveil est la présence non éthique et non objectivante d'une dynamicité pure à elle-même en deçà de toute position d'être. C'est pour vider ainsi la durée de la facticité et onticité psychologique que Tanabe relie personne à l'aune de Fichte. Ainsi, dans le texte de 1918, la théorie de la kantienne de la liberté, le penseur japonais écrit que, comme la position de personne est faussée par le psychologisme qui se centre sur l'analyse de fait, sa théorie ne peut devenir une vraie position philosophique que si nous la réinterprétons moyennant le criticisme. En d'autres mots, la théorie de Bergson ne peut révéler sa signification qu'une fois que médiée par Fichte, elle est liée à l'esprit kantien. Bergson doit être lié non pas à Kant, mais à l'esprit de Kant, auquel Kant lui-même n'a pas su rester entièrement fidèle à cause de sa conception statique du moi et le caractère homogène du temps, allant de pair avec la nécessité de l'hypothèse d'une affection par la chose en soi. Cet esprit se trouve réalisé, par contre, dans la purification de l'activité chez Fichte, dans la dissolution de ce que retiennent les faits, dont le moi, pontique, dans la pure dynamicité de l'acte fait. Activité qui ne se fonde sur rien des temps, rien de factice, rien même d'agissant. La métaphysique se trouve ainsi ressuscitée comme science de l'activité pure ou le vécu en soi en tant que durée, qui fait le fondement de tout phénomène et de toute temporalité. La durée est dans ce sens transcendantale dans l'exacte mesure où elle n'appartient pas à un sujet. Comme l'écrit Tanabe à plusieurs reprises, ce n'est qu'avec la constitution de l'espace que les consciences peuvent être juxtaposées entre elles et que nous pouvons donc faire la distinction entre le propre et l'étranger. Si Tanabe peut parler de l'activité pure ou de la purée, ou de la durée en termes de conscience, de moi et de subjectivité, c'est la réduction reconstructive proposée par Tanabe peut être caractérisée de subjectivante par l'auteur même. Il faut bien s'entendre sur le sens précis de cette subjectivité. Il s'agit d'une conscience en général, selon le terme de Rickert, auquel Tanabe consacre un article en 1919, et qui englobe le propre aussi bien que l'étranger. Traitant de la liberté en termes de ces actes faits qui se caractérisent comme durée, Tanabe écrit que, comme la vraie nature du contenu du vécu supraspatial n'est pas seulement de trancher avec la distinction entre les vécus humains, mais de trancher avec la distinction et opposition de la myriade de tous les phénomènes, il convient de dire que nous sommes, en fin de compte, libres lorsqu'en tant que nous mène de l'univers, nous devons
et nous devenons un avec le ciel et la terre. Le vécu ou le vivre qu'elle a duré absolument pur n'est point interne à ma conscience. Nous avons déjà vu qu'il faut en traiter comme synonyme avec l'omni-englobant, le ciel ou l'horizon du monde, qui ronge chaque moment comme une lacune, un vide qui doit être compris comme le donné ou plutôt l'apparaître primordial qui précède tout sujet. Il faudrait donc dire que la réduction bersonienne, la réduction qui nous reconduit à la durée pure dans sa vérité transcendantale, ne nous laisse point entre les mains une structure subjective, comme l'indiquerait l'inspiration natorbienne de Tanabe. Au contraire, elle ouvre une voie pour penser le monde comme une structure de l'apparaître dans son autonomie à l'égard de l'objet ainsi que du sujet, et de comprendre la continuité ontologique entre monde et sujet sur le mode d'un être entièrement dynamique. On peut donc se demander si, davantage qu'une reconstruction subjectivement, la tâche que se propose Tanabe ne trouverait pas bien plus tôt une méthodologie adéquate dans l'époque asubjective que propose Jan Patočka une cinquantaine d'années plus tard. Je vous remercie de votre attention. Okay, thank you, Morten. And now we would like to go straight to the second talk by Hirotaka Hiraga. And now he teaches in many universities in Tokyo, and he has got his PhD by the thesis entitled The Mysticism of Bergson. And also he translated the laughter of Bergson in the series in which Yasushi Hirai translated Donnez-y Mediat, and Hisashi Matsui translated Révolution Créatrice. And maintenant, Hirotaka, je te passe la parole. Ok, merci. Est-ce que je peux partager mon écran? Ok, est-ce que vous entendez? Ok. Ok, ça va. Ça va ok, bien. Merci. D'abord, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Yasushi Hirai et Monsieur Tatsuya Murayama et puis les autres organisateurs de ce colloque international pour m'avoir invité. Je suis honoré d'avoir cette occasion de parler avec vous de Bergson. Dans mon intervention, je compte aborder l'influence de Bergson sur les philosophes de l'école de Kyoto par rapport au mysticisme. Dans ce point de vue, c'est par la philosophie de et Hajime Tanabe que je souhaite de repenser le rapport de deux sociétés que Bergson distingue dans les deux sources de la morale et de la religion. Alors, nous commençons par remarquer certains aspects de la réception de Bergson par les philosophes de l'école de Kyoto. Par exemple, comme on le sait bien, Nishida Kitaro, il est lecteur extraordinaire de Bergson. Maintenant, nous pouvons lire dans la sixième annale bergsonienne deux textes de Nishida Kitaro sur Bergson, c'est-à-dire un texte sur la durée pure, et le deuxième, c'est la préface de la traduction de matière et mémoire. Et dans le premier texte, Nishida il a interprété la durée bergsonienne en expliquant les caractères de la philosophie bergsonienne, tels que la distinction entre le qualitatif et le quantitatif, puis la continuité de la conscience. Et dans la préface de la traduction de matière et mémoire, Nishida a noté que c'est avec la pensée de Bergson que nous pouvons répondre à la question de la relation entre le corps et le esprit, qui est une des plus vieilles questions philosophiques. Il est bien attaché à la notion de l'intuition et la durée chez Bergson. Lorsque Nishida écrit Zenokenkyu et Recherche sur le bien, il n'a pas encore lu des œuvres de Bergson.
Cependant, dans un Looking Cube, il s'agit d'une expérience qui s'appelle Junsu Keken, et cela veut dire l'expérience pure. Et Nishida considère cette sorte de l'expérience comme une expérience sans jugement ni pensée. C'est-à-dire, c'est l'expérience dans laquelle, en apercevant l'objet extérieur, on ne peut pas juger ce qu'on aperçoit. Par cette perspective, on peut comparer la philosophie de Nishida et celle du Bergson. Et puisque Bergson distingue sans cesse l'expérience de la langue et qui modifie l'expérience en quelque chose d'immobile. C'est ainsi que Nishida semble s'occuper de la première période de la philosophie bergsonienne. Quant au mysticisme, il est convenable de dire que c'est également un des points essentiels de l'école de Kyoto. On peut trouver une recherche féconde dans l'œuvre de Nishida Nikinji. Le troisième volume de ses œuvres complètes s'intitule La recherche du mysticisme occidental, Seiyoshin Pishugi no Kenkyu. Ce livre vise à éclaircir la tradition mystique à partir du Plotin jusqu'au début du XXe siècle. Cet ouvrage concerne principalement Saint Augustin, Meister Eckhart, Plotin et les autres mystiques. Or, il vaut mieux ajouter ici que Nishitani fait ses études sur Bergson. Son mémoire de licence s'appelle « L'idée absolue de Schelling et la durée pure de Bergson ». En outre, Nishitani a tenté d'écrire un livre sur Bergson, mais ce livre n'est pas publié enfin. Par la raison que Nishitani s'attache à la fois au mysticisme et à Bergson, il me semble naturel de chercher le nom de Bergson dans l'ouvrage de mysticisme par Nishitani pour savoir comment Nishitani réfléchit sur la relation entre le mysticisme et Bergson, mais il n'y a pas malheureusement de thème concernant le mysticisme bergsonien dans ce livre, qui rassemble des articles à partir de l'année 1932 jusqu'à l'année 1956. Et Nishitani cite le nom de Bergson deux fois pour souligner la différence entre le concept du temps et temps de Bergson et celui de Saint-Augustin dans ce livre. Et quand il s'agit de la réception du mysticisme bergsonien par les corps de Kyoto, c'est Tanabe Hajime qui nous permet de savoir comment ce philosophe japonais a lu les deux sources de la morale et de la religion à cette époque-là. Pour mieux comprendre le contexte et dans lequel Tanabe parle de Bergson, nous constaterons brièvement ce qu'il a dit dans la logique de l'être social. Ce texte commence par l'affirmer que dans le 19e siècle, on a découvert la société telle que dans le Moyen-Âge, on a découvert le Dieu. Pour analyser la société elle-même, on avait emploi une méthode qui s'appelle médiation absolue. Et Zettai Baikai. Qu'est-ce que la médiation absolue? C'est d'interpréter un principe à travers la négation d'un autre principe. Ça, c'est du. Tu lis la phrase soulignée. Pour le dire plus concrètement, il faut que le principe d'amour de la société ouverte se trouve lui-même à l'intérieur du principe d'obligation de la société close. Ces deux principes doivent s'interpeller l'un l'autre à travers leur indépendance mutuelle. C'est parce que le principe d'obligation implique en lui-même le principe contraire d'amour que ce dernier devient le médiateur par lequel se concrétise le premier. Tanabe dit ici que le principe de la société ouverte s'établit par la négation de la société close. C'est ainsi que la société ouverte se pose par la médiation de la négation. Pourquoi Tanabe affirme-t-il la nécessité de cette médiation? Car il soutient que d'un côté, l'amour n'est pas suffisant pour fonder la société ouverte, et de l'autre, l'obligation ne peut pas former la société close par elle-même.
Bergson fonde la vision dynamique et progressive de la société ouverte sur l'expérience mystique. Cependant, cette morale de l'aspiration et la religion de l'amour qui l'accompagne ne sont pas efficaces par leur seule force. La première ne se concrétise comme l'obligation que lorsqu'elle emprunte à la société close ses formes naturelles, et la seconde ne se déclare qu'en empruntant les figures symboliques offertes par l'acte fabulateur. Selon Tanabe, il y a un lien réciproque entre l'obligation et l'amour. Il déclare également que l'obligation et l'amour ne peuvent pas fonder d'un côté la société close et d'autre côté la société ouverte. Dans les deux sources, personne constate en effet qu'il y a une relation réciproque entre les deux sociétés. C'est probablement sur la phrase suivante que Tanabe parle du croisement entre les deux religions. Mais de même que l'aspiration morale nouvelle ne prend corps qu'en enfantant à la société close sa forme naturelle, qui est l'obligation. Ainsi, la religion dynamique ne se propage que par des images et des symboles que fournit la fonction fabulatrice. Cependant, comme le dit Bergson, ce lien entre les deux religions dérive du fait que le deux morales ne se présente plus à l'état pur. Autrement dit, les deux morales n'existent qu'en état mixte. Mais c'est avec la méditation en tant que négation que Tanabe interprète la méthode par laquelle Bergson distingue les deux sociétés. C'est pourquoi, selon Tanabe, le mystique ou bien l'expérience mystique est un résultat relatif de ce que le mystique s'oppose. En conséquence, Tanabe conteste vivement l'immédiateté du mystique chez Bergson. Par exemple, dans la logique de l'être social, il se trouve des phrases qui critiquent explicitement l'immédiateté du mystique ou l'autonomie de la société ouverte, qui sont expliquées par Bergson dans les deux sources de la morale. Deux sources de la morale et de la religion. Bon, c'est le préjuge que de considérer le mysticisme immédiat comme la forme essentielle de la religion absolue, ainsi que Bergson. L'humanité que Bergson nomme la société ouverte s'établit dans la situation de négation absolue et ne se trouve pas l'être immédiat, elle se borne à l'être défini par la négation absolue de la nation. C'est toujours par la relativité que Tanabe envisage la structure de la société, la structure de la morale et la structure de la religion. Pour Tanabe, il va sans dire que la religion dynamique n'existe qu'à travers la négation de la religion statique. En revanche, Bergson insiste sur l'immédiat essentiel de l'expérience mystique. Il faut rappeler que lorsque Bergson décrit l'expérience mystique ou Dieu auquel le mystique s'unit dans l'expérience même, il indique sans cesse que l'expérience mystique ne peut pas être expliquée ou qualifiée extérieurement. Nous avons bien affaire à la seconde méthode, mais c'est de l'expérience mystique qu'il s'agit. Nous voulons parler de l'expérience mystique envisagée dans ce qu'est là immédiat, en dehors de toute interprétation. Les blés mystiques s'ouvrent simplement aux flots qui les embarquent. Et deuxième citation. C'est donc sur la nature de Dieu immédiatement saisie dans ce qu'est là de positif. Je veux dire de perceptible aux yeux de l'âme, que le philosophe devra l'interroger. Dans les deux sources, Bergson déclare à plusieurs fois que le mystique même ne peut pas expliquer son expérience par le langage. Et pour Bergson, Dieu est inexprimable et il existe en soi.
avec cela, Bergson ajoute que la question de savoir comment expliquer quelque chose d'inexprimable ne se pose pas au mystique. À partir de la perspective de Bergson, comment pouvons-nous interpréter ce que Tanabe dit dans la logique du l'être social, c'est-à-dire la critique sur l'immédiateté du mysticisme? Certes, Bergson remarque qu'il y a une certaine relation mutuelle entre les deux religions, mais cela ne signifie pas que le mysticisme ne s'établit que par la négation. Cela ne signifie pas que le mysticisme n'a pas pour essence l'immanence. Il est vrai cependant que la religion dynamique s'oppose à la religion statique. Est-ce que nous devons penser que la médiation absolue fonctionne entre les deux religions ou entre les deux sociétés? S'agit-il du principe de la négation? Nous indiquons ici ce qui nous permet de comprendre l'apport du mysticisme à ce qu'il conforte. Quel est le fil conducteur pour cette question que pose Tanabe? Nous employons des expressions que Bergson répète et dans les deux sources. C'est la main qui traverse l'émail de fer, ou bien l'évolution de l'habit. Ça, c'est la citation de la main invisible qui traverse de l'émail de fer, mais du saut de cette citation, et là aussi, c'est la citation de la main invisible dans les deux sens. Ça aussi, c'est une explication de la vision. Bon, alors, je continue. Dans l'évolution créatrice, Bergson utilise cette analogie pour expliquer l'évolution de l'œil. C'est la main traversant l'émail de fer qui permet d'expliquer la coexistence de la complexité de cellules et de la simplicité de la vision. Là, oui. À un certain moment, ma main aura épuisé son effort et à ce moment précis, les grains de l'émail se seront juxtaposés et coordonnés et ont une forme déterminée, et celle même de la main qui s'arrête et d'une partie du plat. Oui, mais la vérité est qu'il y a de tout simplement un acte indivisible. Celui de la main traversant l'émail, inépuisable détail du mouvement des grains ainsi que l'ordre de leur arrangement final, exprime négativement en quelque sorte ce mouvement indivisé, étant la forme globale d'une résistance et non pas une synthèse d'action positive élémentaire. Certes, dans cette citation, Bergson emploie le mot négativement, mais si nous osons dire, cela ne signifie pas s'il y a une relativité négative entre l'action de la main qui exprime l'action de l'invitable et la résistance des obstacles qui expriment des cellules. En effet, Bergson qualifie cette relation de contraste à la place de la négation. La machine qu'est l'œil est donc composée d'une infinité de machines. Et toute une complexité extrême, pourtant la vision est en fait simple. Dès que l'œil s'ouvre, la vision s'opère. Précisément parce que le fonctionnement est simple. La plus légère distraction de la nature dans la construction de la machine infiniment compliquée eût rendu la vision impossible. C'est ce contraste entre la complexité de l'organe et l'unité de la fonction qui
déconcerte l'esprit. Et dans cette phrase, Bergson démontre que la composition de l'œil se caractérise par le contraste entre la complexité de l'organe et la simplicité de la fonction visuelle. Et puis, il faut remarquer que il faut remarquer de certains points de cette citation. D'abord, le terme machine ne signifie pas quelque chose d'inorganique dans ce cas. Il est nécessaire d'ajouter que le terme machine est plutôt une autre façon d'exprimer un organe. Ensuite, en soulignant le contraste entre la complexité de l'organe et la simplicité de la fonction visuelle, dans la composition de l'œil, Bergson prétend que c'est la simplicité de la vision est plus essentielle que l'organe même par rapport à l'ambidextre. Parce que cette simplicité est une preuve d'un flot vital qui traverse la matière dans l'évolution biologique. Autrement dit, la simplicité qui se trouve dans les êtres vivants est un des résultats de l'ambidextre. Or, comment la machine et la simplicité sont-elles situé à propos du mysticisme dans les deux sources. Revenons maintenant aux deux sources. Et pour nous, il faut faire attention à la description de la nuit obscure, qui est selon Bergson le plus significatif et le plus instructif dans le mysticisme chrétien. Bornons-nous à dire qu'une machine dans ancien formidable, résistant, construite en vue d'un effort extraordinaire, se trouverait sans doute dans un état analogue si elle prenait conscience d'elle-même au moment du montage. Et je saute. Une exaltation calme de toutes ses facultés fait qu'elle voit grand et, si faible soit-elle, réalise puissamment. Surtout, elle voit simple. Et cette simplicité qui flappe aussi bien dans ses paroles et dans sa conduite, la guide à travers des complications qu'elle semble ne pas même apercevoir. Dans cette expérience mystique soigneusement décrite, il s'agit de la machine en tant que l'analogie de la simplicité de la vision, il serait possible de trouver une trace de ce que Bergson a expliqué sur la révolution de l'œil dans l'évolution créatrice. Cette description de la nuit obscure par Bergson nous permet de savoir d'un côté que le mystique est en mesure de toucher la source de l'évolution créatrice et d'autre côté, nous permet de savoir à quel type de société le mystique se confronte. Car la société à laquelle le mystique est en face se constitue par les inquiétudes et les tentations simples. Bon, revenons encore une fois sur ce qui a été dit de l'œil et de la vision. Il y a l'acte de boire qui est simple. Et il y a une infinité d'éléments et d'actions réciproques de ces éléments, les uns sur les autres, avec lesquels l'anatomiste et le biologiste reconstituent l'acte simple. Et je saute la phrase. Bon, là. Ainsi, les inquiétudes de l'homme jeté sur la terre et les tentations que l'individu peut avoir de se défaire lui-même à la communauté, l'inquiétude et tentation qui sont le propre d'un être intelligent, se prêterait à une énumération sans fin, indéfinie au nombre aussi. Sont les formes de la superstition ou plutôt de la religion statique qui résiste à ces résistances. Bergson compare ici l'œil à la société close est remplie par plusieurs éléments, c'est-à-dire les nombreuses inquiétudes et les tentations infinies
et le mystique en traversant la société qui est constituée par les parties illimitées. Et cherche à réaliser la société, puisque le mystique possède la vision simple, il n'est pas dérangé par les obstacles. Pareillement à l'évolution de l'œil, il y a un contraste entre la société close et la société ouverte. Nous revenons à la critique de Tanabe. Il a critiqué Bergson pour la raison que l'obligation ne peut pas fonder la société close par soi-même et l'amour ne peut pas achever la société ouverte. Et il a affirmé aussi que le mysticisme chez Bergson ne s'établit pas par soi-même. Tanabe introduit donc la médiation de la négation pour distinguer les deux sociétés. Mais il vaut mieux dire plutôt, à la place de la négation, le contraste dans ce cas-là, comme Bergson utilise ce terme dans l'évolution créatrice. Dans le contraste de la composition de l'œil ou bien de la nuit obscure, la vision simple, c'est-à-dire l'acte simple, avance sans cesse. Ah, pardon. L'acte simple avance sans être arrêté par les obstacles invisibles. En somme, même s'il y a un contraste entre les deux sociétés, et l'activité du mystique est simple et la complexité est le résultat rétrospectif de cette simplicité. Mais de toute façon, ce que nous avons remarqué ici, ce n'est pas la réfutation de la logique de Tanabe. Plutôt, c'est grâce à la logique de Tanabe que nous finissons par retrouver la relation entre les deux sociétés dans un autre perspective. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Thank you for presentation. Now we have a little bit more than 30 minutes for discussion. And before that, I'd like to say that Morten will accept questions both in French and in English, but Hirotaka prefers questions in French. So if you have any questions to Hirotaka, could you please say it in French? Okay, then please, if you have any questions, please raise your hand digitally. Okay, Catherine. Oui, je vais directement en français, mais d'abord pour vous remercier pour ces deux interventions vraiment très intéressantes. J'ai appris beaucoup et je voudrais commencer par une question à Morten. J'ai très apprécié le tableau que tu as fait. J'étais assez surprise par ces syncrétismes de sources néo-kantiennes, phénoménologiques, bergsoniennes. Qui interagissent dans la philosophie de Tanabe. Et la lecture qui émerge, que tu as laissé émerger, je pense, du premier Tanabe par rapport à la subjectivité et à l'intuition chez Bergson, me paraît fondée surtout sur le matière et mémoire, sur la philosophie du premier chapitre de matière et mémoire. Peut-être c'est pour ça que tu as parlé aussi de réduction. C'est souvent la partie de la philosophie bergsonienne qui est le plus rapprochée à la phénoménologie, et, malgré les différences. Et surtout pour cette tension entre la subjectivité d'une intuition des images qui est dans les toutes premières pages de matière et mémoire et le sujet qui émerge qui garde un rôle très important après dans la philosophie bergsonienne. Je me demandais s'il y a une suite aussi à cette lecture
et notamment dans la lecture des deux sources de la morale et de la religion que Tanabe offrira plus tard dans sa philosophie. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de trouver une évolution dans sa lecture de Bergson, parce que surtout les deux sources ont été ça a été très débattu, le statut de la subjectivité dans la philosophie des deux sources, parce qu'il y a eu une lecture très personnaliste qui a longtemps été la lecture dominante, disons, et qui est maintenant un peu nuancée par rapport à un caractère présubjectif de l'intuition mystique. Et donc, voilà, d'une liaison sociale qui précède même l'émergence de la subjectivité mystique même. Et donc, voilà, je me demandais s'il y a dans la lecture de 1934 aussi une reprise de ces mêmes sujets ou s'il se concentre vraiment sur matière et mémoire tout même, voilà, tout le long de sa philosophie. Je ne sais pas si j'étais claire. Je crois que si, okay. Que c'était clair. D'abord, merci pour la question, Catalina, et merci d'ailleurs aussi de m'avoir proposé tout d'abord d'intervenir ici. J'avais oublié de remercier. Merci à toi, c'était super que tu étais là. J'en suis très heureux. Oui, j'ai oublié de le dire en commençant, mais évidemment, je remercie les organisateurs de ce colloque aussi de m'accueillir. Mais j'en viens à ta question. Alors, oui, d'abord, sur le syncrétisme de Tanabe, on a l'impression effectivement que Tanabe, il utilise un peu de tout pour développer sa pensée. Il prend toujours ce qui l'intéresse de chacun des penseurs et parfois on les... décortiquant d'une manière qui ne permet peut-être pas de respecter la totalité de l'approche. Mais c'est en général entre les néo-kantiens et l'école autrichienne, comme les appellent souvent l'école de Brentano et de Husserl, évidemment, et Meinong, qu'il se place, alors que chez les néo-kantiens, il fait opposition parce qu'il y a un logicisme, un rejet de l'intuition et de la sensation chez eux, qu'il peut puiser quand même dans l'école autrichienne. Bon, ça sur le syncrétisme. Bon, matière et mémoire, c'est en effet peut-être ma lecture de Tanabe et très formée par, très influencée par matière et mémoire. Tanabe lui-même écrit dans le texte de 1914 auquel j'ai fait référence, dans la première partie de mon intervention, où il parle précisément, il présente l'expérience immédiate comme durée, et puis il ajoute entre parenthèses, je dois confesser que je ne comprends pas, il dit, très bien toute la théorie de Bergson, surtout le rapport entre le corps et l'esprit. Bon, voilà, c'est matière et mémoire qui est visée, que il dit ne pas. Tanabe, c'est d'ailleurs quelqu'un de très modeste comme ça. Il dit très souvent, je ne comprends pas tout, et voilà, c'est un travail, c'est un work in progress. Mais il me semble néanmoins que c'est assez clair que cette idée d'une intuition, d'une expérience pure, qui s'inscrit plutôt dans le monde, effectivement, qui est quelque chose comme une... quelque chose dans un milieu englobant où la manifestation se réalise par une délimitation, rappelle Bergson. Mais c'est peut-être par le biais de Nishida plutôt que directement par Bergson, parce que c'est plutôt l'essai et
et l'évolution créatrice qui semble l'avoir influencé à cette époque-ci. Au moins, c'est à ça qu'il fait plus explicitement référence. Comme vous l'avez peut-être vu dans, dans une des citations, il parle de l'intuition comme « lived » ou « lived » et cela montre effectivement aussi qu'il ne, il ne lit peut-être, il ne lit pas personne directement dans le français ou bien il doit au moins s'appuyer sur des traductions, surtout une traduction allemande, il me semble. Mais en tout cas, oui, on le voit aussi beaucoup plus tard quand il se tourne vers Valérie, qu'il a pris beaucoup de peine à traduire lui-même avant de comprendre qu'il y avait des traductions. Là aussi, il fait preuve d'une grande modestie en disant je ne maîtrise effectivement pas suffisamment bien le français pour bien apprécier les poèmes de Valérie. Et donc voilà, je crois que ça s'exprime aussi assez bien dans cette les citations qu'il fait de Bergson. C'est plutôt quelqu'un qui est influencé par la pensée allemande. Plutôt que voilà, bon, enfin, bien évidemment, Bergson, il a cette place très très importante, mais c'est par un biais plutôt allemand qu'il s'en approche. Pour la question des deux sources, excusez-moi, j'en viens au noyau de ta question. Ça reste un peu loin pour moi. Je me suis centré maintenant sur la première partie. Évidemment, j'ai bien lu le texte, mais je préfère réserver mon jugement. Le rejet du mysticisme qui vient à fruition en un certain sens dans les premières années des années 30 et aussi dans la lecture des deux sources, se préfigure, comme j'ai essayé de le montrer, dans cette lecture de Bergson de 1917, où précisément la durée ne permet pas de garder une idée d'intuition, au moins au sens nietzschéen, comme une intuition d'un présent éternel qui ne permet pas de flux. Merci encore une fois. Merci à toi. Ok, alors, Saïd. Your mic is now off. My question to Morta first. I mean, you gave a detailed presentation of Tanabe. I would like to you to explore a little bit more the difference between him and the founder, Nishida. I mean, what kind of contributions he showed, I mean, added to the school of Kyoto, and especially his concept of absolute nothingness. I mean, is this, how could he combine it with the traditional Japanese philosophy? Because we know that it is more about absolute being in Japanese philosophy. And what, I mean, how could he like combine it with his traditional philosophy? Thank you. And question à Hirutaka. Est-ce que c'est possible d'expliquer un peu sur les idées de Shōzō, philosophe Shōzō japonais? Il a aussi enseigné à Kyoto, spécialement l'idée de Iki au japonais. Vous parlez de Kukishūzō? Oui. Vous parlez de Kukishūzō? Oui. Aussi Kukishūzō. Merci. Aussi le mysticisme.
side, perhaps we lost a little. Have you finished your question, Said? Oui, ça tout. Okay, thank you. Then first, Morten. Okay, thank you. Well, thank you very much for your question, first of all. For Nishida, the relation to Nishida is in the early texts, Tanabe always references Nishida in a positive manner. In explicit terms, he stays close to Nishida. It's always as Nishida has shown, as Professor Nishida has shown this, and so on and so forth. Also, the idea of the universal or the general, as given first, is a Nishidian idea, or a perhaps a Bergsonian idea that is inherited by Tanabe through the prism of Nishida, possibly. Bergson is, of course, in this period very, very important to Nishida, and so it's Tanabe's reading of Bergson is also influenced by Nishida. There's no doubt about that. But this is not the, in terms of absolute nothingness, the first decade of Tanabe's philosophy, on which I've focused in this presentation, is not one of absolute nothingness. We do have a certain opening, a certain path being opened towards this idea, with the fact that intuition is pure experience is empty. It's a givenness of the example that Tanabe uses, which I tried to emphasize, is that of the sky. And we also find references. We find places in Nishitani later, where he explains emptiness through the illustration of examples of the sky as the all enveloping, and so on and so forth. But with the turn towards towards Fichte and a more phenomenological reading, it seems that the non-substantial character of activity, which is going to be a very important concept for Tanabe, or action is going to be an important concept, opens even further the path towards this idea of, well, jikaku as a self-givenness of a nothingness, which is all activity. And which, again, we could say perhaps prefigures the idea of the mediation as absolute nothingness, which we'll see later. However, at this time, where we see the mediation is in the Natorpian idea of or the correction of reduction and of intuition in the texts around 1917, 1918, and 1919, where he develops this idea of the argument that intuition cannot be a scientific approach because it is more fundamental than knowledge, ninshiki, connaissance, and so erkenntnis. So the problem is how to preserve the scientific character of the approach to the Erlebnis, to the vécu, or to la durée, while still accessing it in its truth, and for that you cannot completely set aside
thought. You cannot completely go to a level that is, I want to say, en deçà, but in English, that's one, a term we don't really have. That's more fundamental than the concepts. So how to have a conceptuality for what is non-conceptual. And for that, there needs to be this mediation that intuition needs to pass through, in his terms, thought. And so we have a first turn of a first rejection of intuition, which will, of course, be important for rejecting or at least taking a certain distance with regards to Nishida later, right? So a turn towards a thought of mediation here in 1917. I hope that, and then there was the question of how to combine it with traditional philosophy, I'm sorry. If by traditional philosophy, you mean Occidental philosophy, Western philosophy, as I imagine. Tanabe is not somebody who, at least at this point, uses very explicitly at all Japanese philosophy. He makes references to Japanese experts of Kantian thought and stuff like that, but not you can see some Buddhist motives perhaps in this idea of intuition as nothingness and so on and so forth, but this is all under the surface in a certain sense. It's all neo-Kantians and Bergson and Husserl and Meinong and so on and so forth. But they are read in this light through the prism, you might say, of a manner of evacuating subjectivity and intuition in general in order to get to a phenomenality which is more fundamental than the distinction between object and subject. I hope that, to a certain extent, answers your question. Okay, thank you. Then Hirotaka, please. Merci pour votre question. Comment répondre? En fait, je ne suis pas spécialiste de Kishuzo, donc je ne peux pas répondre clairement, mais ce que je connais sur la relation entre Kuki et Bergson, par exemple, Kuki connaît personnellement Bergson. Il a visité deux fois la maison de Bergson au moment de la mort de Bergson, Kuki a écrit un article pour présenter la réception de la philosophie de Bergson au Japon dans le journal. So, en fait, Kuki, il est allé à l'Allemagne pour étudier la phénoménologie, et, par exemple, la phénoménologie de Heidegger ou de Husserl. Et j'ai l'impression que il a, comment dire, comparé la philosophie allemande et la philosophie la française, notamment sur de Bergson, mais comment dire, pas ça, c'est là mon devoir à faire, appeler cette communication de Tanabe et Bergson. Donc j'espère que vous répondrez un jour. Merci beaucoup. Okay, then Alessandro, please. Bonjour à tout le monde. J'ai une question que je voudrais adresser à Martin. On a dit que pour Tanabe,
l'intuition, d'après l'interprétation qui donne Nishida, ne peut pas nous amener à saisir la durée parce qu'elle est complètement en dehors du domaine du langage et de la conceptualité. Et du coup, ma question c'est double. D'un côté historique et d'un côté théorique, est-ce que historiquement Tanabe ou même Nishida ont eu la possibilité de lire l'intuition philosophique, la conférence de Bologne d'après publier dans la pensée de mouvement, dans laquelle Bergson propose l'image médiatrice pour avoir accès, pour détourner les difficultés de la conceptualité et avoir accès à l'intuition? Et du côté théorique, si cet outil-là de l'image médiatrice, de l'image en général, pourrait être un bon moyen pour dépasser les critiques que Tanabe et Nishida ont de l'intuition bergsonienne comme connaissance de la durée. Et merci à les deux intervenants pour les belles interventions. Excusez-moi, le texte auquel vous avez fait référence, c'était l'introduction, c'est ça, à penser? Non, c'est l'intuition philosophique, la conférence que Bergson tient à Bologne au Conseil congrès de philosophie internationale en 1911. Oui, oui. Nishida a écrit un texte sur, comme vous le savez peut-être, sur la méthodologie de Bergson qui me semble être influencée au moins par les introductions à Pensée et Mouvement, mais je ne sais pas, je ne connais pas la réponse à votre question. Je suis désolé. Au moins je n'ai pas trouvé de référence à cela chez Tanabe. Et Nishida, c'est pas sur lui que je travaille principalement, mais évidemment c'est quelqu'un aussi qui m'intéresse, mais beaucoup de choses restent à faire pour moi dans ce champ. Je vous remercie de votre réponse. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre mieux que ça. Okay, pas de souci. Merci beaucoup. Okay, and any questions? Okay, j'ai une question à Morten. Et bon, peut-être c'est un peu une question décalée, mais bon, tout de même, ça m'intéresse, donc je pose une question. En fait, Tanabe parle donc de Heidegger aussi en critiquant son interprétation de schématisme. Et donc pour lui, pour Heidegger, le schématisme est le temps, la temporalité. Mais Tanabe oppose son interprétation plutôt en disant que le schématisme est plutôt le monde. Et pour moi, donc, cette critique de la part de Tanabe va en un sens dans la même direction que Bergson pour moi. Ma question est vraiment un peu peut-être décalée, mais son interprétation sur le schématisme. Et peut-être ça a une relation avec ton exposé, c'est que dans ton exposé, tu avais développé la confrontation entre Tanabe et Bergson sur la subjectivité, et peut-être tu as un peu, distorsé l'interprétation en disant que chez Bergson, plutôt tu as attribuer le caractère de transcendantal chez Bergson, mais peut-être à mon sens c'est plutôt inverse chez Bergson. Plutôt on peut attribuer le caractère de immanence chez Bergson. Voilà.
bon, si, je ne sais pas si c'était clair ou pas, mais bon, voilà. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était ça. Voilà. Merci pour votre question. Alors, pour le, d'abord, sur le transcendantal, C'était surtout dans la page 7 ce qui m'intéressait. C'était dans la page 7 de ton exposé. Oui, oui, ça je crois avoir compris. Sur le schématisme du monde, mais je vais tout d'abord à la question du transcendantal parce que c'est un petit point. C'était pas pour dire que la durée est transcendantale chez Tanabe. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'écho quelque part. Excusez-moi. Non, ça va. Non, d'accord. En tout cas, c'est pas que Tanabe parle du transcendantal chez Bergson, mais plutôt que précisément parce que pour lui, Bergson reste sur le niveau du psychologique, il faut faire le pas vers le transcendantal. Et pour cela, il fait appel à Fichte. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut médier la pensée bergsonienne par le criticisme. Voilà, c'est-à-dire le rendre transcendantal, que plutôt la philosophie bergsonienne manque de transcendantal. Puis il faut encore peut-être se comprendre par ce qu'on veut dire par transcendantal, non pas le subjectif, mais plutôt ce qui fonde toute phénoménalité, n'est-ce pas, qui n'est pas ici la conscience au sens d'un sujet individuel tel que nous le comprendrions normalement, le petit moi, mais plutôt bien entendu c'est le point où nous en tant que nous-mêmes de l'univers, nous faisons qu'un avec le ciel et la terre. Alors qu'il faut donc faire un pas, à mon sens, vers une cosmologie chez lui, penser le monde comme structure de l'apparaître. Et effectivement, le texte auquel vous faites référence, je crois que c'est de 32, c'est ça, sur le schématisme, la lecture du livre de Heidegger sur Kant est très intéressant. Et d'ailleurs aussi, ce que Tanabe, la pensée sur le monde que Tanabe développe autour de ces années-là, déjà dans les textes qui précèdent de 1930 et 1931, on trouve cette idée que l'ontologie n'est pas suffisante. Il faut, à son sens, faire ce qu'il appelle une ontico-ontologie, je crois qu'on pourrait le traduire comme ça, qui serait alors une dialectique. Dialectique qui consisterait dans le fait qu'effectivement, il faut l'absolument autre ne peut pas, on peut pas y arriver à travers l'intuition. Il faut présupposer plutôt une altérité fondamentale, et ce serait le monde, avant tout le monde en tant que intersubjectivité. Autrui ne peut pas se réduire à un outil, à un zuhanden, et donc pour cette raison là voilà, il ne peut pas être prendre place, disons, dans le circuit de l'ipséité de la pensée du Dasein heideggerien, n'est-ce pas. Et donc le monde, c'est ce caractère, l'altérité que Tanabe veut nommer par le ontico qu'il introduit dans ontico-ontologique. En effet, j'essayais effectivement aussi de ouvrir la voie vers cette pensée-là, en essayant de montrer comment la durée permet à Tanabe de penser un ambiance englobant, un horizon qui structure chaque moment de l'apparaître. J'espère que ça répond un peu à votre question. Merci beaucoup. Okay, if you have any little question, we have a little time. Okay. Okay, Yasushi, please. Okay. And my question is to Hiraba-san. You hear me? Okay. So, merci beaucoup pour ton exposé, très bien. Et c'était
Si je comprends bien, tu as dit, donc Tanabe, c'est le philosophe de la médiation. Et tu as, à la dernière partie de ton exposé, tu as, pour ainsi dire, défendu la philosophie bergsonienne en citant l'évolution créatrice qui utilise où il utilise le mot le contraste, c'est bien ça. Et mais par contre à la dernière phrase tu as dit donc tu ne critiques pas pour le manque de la simplicité, tu ne critiques pas Tanabe pour le manque de la simplicité, en revanche. Et c'est pourquoi ça, parce que c'est pas n'importe quoi chose, parce que pour Bergson c'est l'intuition, immédiateté, simplicité, c'est vraiment crucial. Donc voilà, c'est ma question. Merci. C'est parce que comment dire, la critique de Tanabe sur l'immédiatité de Bergson, ça me permet de repenser la relation entre l'illusion statique et la illusion dynamique de Bergson. Donc, dans ce cas-là, je peux dire, je ne peux pas, critiquer Tanabe parce que ça, c'est comment dire. C'est utile pour élucider la c'est ça, pour comprendre mieux. parce que, c'est-à-dire, comment dire. En fait, Bergson, il a dit il y a la relation réciproque entre la religion statique et la religion dynamique. C'est vrai, mais il a distingué complètement les deux religions et deux sociétés. Ça, c'est ma. Je me demande qu'est-ce que. Comment dire. Comment. Je veux savoir comment. Je veux savoir à quel point les deux sociétés s'unissent ensemble ou bien séparées complètement. Et ça, pour moi, Tanabe m'a donné une idée pour préciser le point de la séparation et comment dire, l'unification de. Les sociétés. D'accord. Merci beaucoup. Ok, malheureusement, c'est l'heure de clore la session. Donc, applaudissons les deux intervenants encore une fois. Et on va prendre 30 minutes de pause.